Bonjour à tous, actuellement je suis au Tchad pour une mission d'une quinzaine de jours et ma première intervention a eu lieu le samedi 3 juin lors d'une campagne d'évangélisation en plein air. Ce soir-là j'ai prêché l'évangile avec tout mon cœur et au moment de l'appel il y a une seule personne qui est venue et c'était une femme. Et j'avais remarqué que pendant que je prêchais l'évangile, cette femme avait l'air assez exaltée. Et donc au moment où je lance l'appel, elle vient et elle bouge un petit peu aussi dans tous les sens. Et puis finalement, elle tombe, elle se met à côté de moi. Et je continue l'appel pour inviter encore d'autres personnes à venir si elles voulaient donner leur vie à Jésus. Et finalement, après, je n'ai pas insisté et il n'y avait que cette femme qui était à côté de moi. À un moment donné, j'ai donc prié pour elle et dès que j'ai commencé à prier pour cette femme, les démons ont commencé à se manifester. Et donc, ensuite, il y a eu la délivrance qui s'est opérée, le Seigneur l'a délivrée. Et ensuite, à la fin de la mission, à la fin de cette soirée, eh bien, un jeune est venu me voir, c'est un jeune qui faisait partie de l'équipe d'évangélisation qui entourait un petit peu la campagne et qui était là pour inviter les gens à venir, ceux qui étaient là-bas autour, puisque ça se passait sur une place. Et finalement, il m'a raconté ce que vous allez entendre dans quelques instants. J'ai préféré que ce soit lui qu'il puisse vous le dire, vous le commenter. Donc, il m'a fait un message audio. Et je vous propose d'écouter donc Salem, qui fait partie de l'équipe d'évangélisation de l'église Le Rocher. Donc écoutez cette belle histoire de cette femme, elle s'appelle Mylène Irène. Je vous laisse découvrir son histoire commentée par donc Salem. Soyez bénis et à très bientôt. Salut chers bien-aimés en Christ, que la paix, la joie, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage en Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Asra Salem de l'équipe d'évangélisation organisée par l'Église apostolique tchadienne Le Rocher de N'Djamena, sise au quartier Chagua. C'est la première campagne d'évangélisation de l'évangéliste Armando Gomez au Tchad qui a eu lieu le 3 mai 2023 de 17h à 19h, heure du Tchad, dans le même quartier. Ces cités entourées de bars et cabarets, des boutiques des musulmans, d'où la vie d'ivrognerie est monnaie courante. Pendant que l'évangéliste prêchait la parole de Dieu, une femme portant un bébé au dos passait. Voyant la foule, elle s'approcha de nous. Je lui ai accueilli à bras ouverts en l'offrant une chaise dont elle s'est assise. Suivant avec beaucoup d'attention la prédication de l'évangéliste, elle répondait avec des amen, alléluia aux paroles proclamées par l'homme de Dieu. J'ai commencé à avoir une petite discussion avec elle sur la situation de sa vie spirituelle. Elle me disa son nom, mit la même Irène, et elle disait que durant son enfance, elle partait très souvent à l'école du dimanche au culte des enfants dans une église pentecôtiste. Mais il y a de cela plusieurs années, elle n'est plus repartie et s'est livrée dans l'alcool pour soulager ses soucis. Mais ce ne fut pas le cas. Enchaînée dans cette mode de vie, elle peut rien faire, disait-elle. Si je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit. Alors, j'ai compris que c'est une femme rétrograde. Après la prédication, l'évangéliste Armando Gomez lança l'appel et ce fut la seule qui s'est avancée promptement afin de recevoir une prière. Pendant le moment de la prière, je faisais le babysitting de son bébé tout en suivant la prière.
Tout au long de ce moment, j'avais constaté son agitation intense, roulant par terre, éparpillant ses mains vers l'extérieur et l'intérieur. Au même moment, son enfant pleurait. Mais Dieu merci, j'ai pu la calmer. Après la prière, elle me raconta ce qui s'est passé pendant ce moment. Pendant que l'évangéliste priait sur moi, je voyais trois serpents noirs et un serpent bleu qui me menaçait de me mordre. J'ai crié en moi, Jésus, Jésus! Et avec la puissante et autoritaire prière du serviteur de Dieu, ces serpents ont disparu. Moi qui étais enchaîné, alors qu'on priait pour moi, le Seigneur m'a libéré. Mes chaînes étaient tombées. Toute joyeuse, cette femme rendait gloire à Dieu et nous a tous remerciés. Voici le témoignage de cette femme. Que le Seigneur vous bénisse. Et de marcher avec toi dans le nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Dans le nom de Jésus, sois libéré. Je chasse tout esprit démoniaque, tout esprit d'impureté dans le nom de Jésus. Et je prie que ce soir, Seigneur, tout à nouveau, Seigneur, tu rentres dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Sortez, esprit démoniaque. Laissez cette femme tranquille. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu l'aimes. Parce qu'elle revient à toi. Amen. Alléluia.